fois le thème sélectionné, l'ensemble des ressources multimédia accessibles aux élèves va leur permettre de trouver des réponses aux questions les plus simples. En tant qu'enseignant, on peut choisir d'encadrer des recherches documentaires de plusieurs manières. Par exemple, on peut choisir de sélectionner une question à la fois et laisser chaque enfant rechercher indépendamment dans des encyclopédies, sur Internet ou autre. Cette approche permet de mettre en commun toutes les informations qu'ils auront collectées et de leur apprendre à faire une synthèse. Personnellement, il me semble plus intéressant de les faire travailler en groupe et d'attribuer une question à chaque groupe. De cette manière, ils vont s'aider les uns les autres et apprendre à s'organiser entre eux pour se répartir les tâches. Ensuite, chaque groupe pourra présenter des conclusions de ses recherches documentaires et donner une réponse au reste de la classe. Pour cette étape, les enfants auront besoin d'un outil fondamental du chercheur, le cahier du chercheur. Ils peuvent y noter l'ensemble de leurs recherches documentaires et garder une trace écrite des réponses qu'ils auront formulées, puis ils s'en serviront pour noter les mesures et leurs hypothèses par la suite. Pour ces raisons, je vois ce cahier comme un outil individuel et d'utilisation plutôt libre. L'enseignant peut apporter plusieurs éléments introduisant le thème du projet, sans forcément chercher à donner un état de l'art complet. Le but est de permettre aux enfants de mieux appréhender ce qu'ils vont étudier par la suite. Je peux vous donner quelques exemples de séances d'introduction que j'ai mises en place au cours de mes interventions. Pour traiter des galaxies, il m'a semblé important d'introduire trois choses. Premièrement, l'échelle de taille d'une galaxie. Deuxièmement, l'échelle de temps sur laquelle elle évolue. Et troisièmement, le concept d'analyse d'image. On peut commencer par regarder l'apparence d'une galaxie depuis la Terre et sa taille sur le ciel avec un petit logiciel comme Stellarium. Jimmy vous détaillera dans ses capsules des utilisations possibles de ce logiciel, mais il est aussi primordial d'aider les enfants à se représenter correctement la distribution des planètes, des étoiles et des galaxies dans l'espace et les échelles de distance. Malgré la difficulté à se représenter clairement ces éléments, des solutions existent, comme le célèbre film sur les puissances de 10 où l'on s'éloigne de la Terre en accélérant. Les carrés successifs dont la taille est multipliée par 10 offrent un bon repère pour appréhender les échelles de l'univers. Sur Internet, il existe aussi d'excellentes simulations comme Space Engine, avec lesquelles on peut découvrir l'univers et partir à sa découverte de manière plus active. Avec Space Engine, l'utilisateur peut partir de la Terre, tourner autour de la Lune et partir explorer le système solaire à sa guise. En se posant sur d'autres planètes, il est même possible de visualiser des panoramas. On peut ensuite s'écarter pour naviguer entre les myriades d'étoiles de la Voie lactée et sortir de la Voie lactée pour mieux appréhender la distance qui nous sépare des autres galaxies. Deuxièmement, tous les enfants ne savent pas que la lumière a une vitesse finie et que regarder loin revient à regarder dans le passé. Ce n'est pas non plus évident pour eux qu'une galaxie n'évolue pas sur quelques années, mais seulement sur plusieurs dizaines de millions d'années. Il est donc important que l'enseignant se charge de construire ces échelles de temps. Troisièmement, la démarche de l'analyse d'image peut être expliquée par une analogie. L'enseignant peut présenter l'image d'un chemin vide en forêt et l'image d'une rue en pleine ville, puis poser la question. D'après vous, combien d'humains se cachent derrière les troncs d'arbres et combien se cachent derrière les fenêtres des immeubles? Les enfants comprennent qu'en utilisant nos a priori, on peut analyser une image et trouver des informations non explicites. On peut alors faire un parallèle avec les galaxies spirales et montrer par exemple que les zones d'ombre sont dues à des nuages poussiéreux opaques et cachent en réalité d'autres étoiles en arrière-plan. Dans le cas d'un projet centré sur les constellations, on peut commencer par visualiser des cartes sur un simulateur comme Stellarium et, si possible, retrouver soi-même les formes à la nuit tombée. L'enseignant peut organiser une étude de texte sur la signification mythologique des constellations du zodiaque et encourager les élèves à se poser des questions du type « Pourquoi l'homme a-t-il choisi de découper le ciel en plusieurs constellations ? Existe-t-il d'autres systèmes de constellations ?» Et avec Stellarium, les enfants peuvent facilement compléter leurs connaissances de manière interactive. Par exemple, en jouant avec les paramètres du logiciel, ils se rendent compte que le ciel a une apparence complètement différente depuis l'hémisphère sud. Ils comprendront aussi que le concept de constellation est très arbitraire et que d'autres cultures utilisent des systèmes très différents. Si l'on s'intéresse maintenant au démarrage d'un projet sur le système solaire, je trouve intéressant de commencer par diffuser des animations. Comme exemple, on dispose des animations de la NASA qui reprennent entre autres les images de la sonde New Horizons, l'animation ESA Sky de l'Agence spatiale européenne, ou les animations 3D qui montrent la position des astéroïdes répertoriés. En particulier, j'ai essayé un projet visant à déterminer le relief de la surface de Vénus, malgré sa couverture nuageuse épaisse et totalement opaque. J'ai commencé par expliquer l'état de l'art au milieu du siècle dernier, avant que les premières sondes radar soient envoyées dans les années 60. J'ai montré des images de Vénus très anciennes pour que les enfants comprennent qu'il est impossible de voir la surface au travers des nuages avec nos propres yeux. En parallèle de ceci, il m'a semblé important qu'ils recherchent les principales propriétés de Vénus, comme sa taille, sa masse, sa période de rotation autour du Soleil, et ils ont pu construire une fiche de la planète et comparer avec les autres planètes du système solaire. Cela m'a semblé être un bon point de départ pour démarrer le projet.
J'ai ensuite pu laisser les enfants cheminer eux-mêmes vers la solution utilisée par les astronomes pour cartographier la surface de Vénus, c'est-à-dire d'envoyer des signaux radar depuis l'extérieur de l'atmosphère.